Moi, j'ai plusieurs années depuis m'a aidé haïtien haïtienne rempli application et pour demander un visa touriste pour venir visiter États-Unis. En pile là-dedans yo, là yo fin jwenn visa, yo bien excité et yo content, y'a vinn visiter pays ya, yo pays que tout le monde t'aime visiter et yo konn rele moi pour demander conseil et qui ça yo doit attendre, qui ça y a besoin. Et je ne connais pas un pile conseil, mais il y a une chose que je toujours insisté, que je toujours dit. Lorsque vous aux États-Unis, faites tout le bagaille, mais pas jamais prends chance, pas jamais perdre, je crois en Dieu, pour tomber malade. Dans la prochaine minute, je vais expliquer au système de santé états-unien comment il fonctionne. Et après, pour qu'ils aient que je toujours dit, pas jamais prends chance pour tomber malade. Même si c'est vrai que je connais, et maladie, c'est pour moi que je cherche, c'est pour qui vient sans attendre. Bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue dans une autre vidéo dans série non qui c'est aux États-Unis qui là pour parler de peuple américain, culture, comment ils vivent, comment un pays a fonctionné. Nous mettons plusieurs vidéos dans série ça déjà et vous capable toujours checker yo. Je dis à parler système de santé états-unien qui j'en les fonctionner et qui soit doué comprendre de lui. Premier ça pour nous comprendre que États-Unis fait partie de un pays qui gagne là dans les meilleurs docteurs, meilleurs spécialistes, quel que soit problème que tu as gagné, que ce soit dans jet, dans pied, dans rein. États-Unis c'est un pays qui gagne en pile spécialistes, de grands docteurs, il gagne tout en pile grand l'hôpital et quatre dans plus grand l'hôpital qui gagne dans monde là, yo situé aux États-Unis. Donc son pays côté système santé yo vraiment perfectionnel. Et gen pile grand matériel et technologie de pointe que yo utilisé dans système de santé yo. C'est un pays qui kèr en pile de système de santé li a. Et c'est ça que fait et aux États-Unis lorsqu'il y a un problème ou les ambulances ou les 911 et dans 2-3 minutes ou après ambulance là paraît sur ou et depuis l'ambulance là il commence bon premier soin, il commence et administrer en pile test sur ou. Donc et yo croit en pile dans sauver la vie moun. Et c'est pas pour sans raison que les professionnels santé aux États-Unis ont touché bien, ont fait bon cob. Avant de faire vidéo ça, nous avons regardé qui job ou bien encore qui secteur qui plus payé aux États-Unis, ça veut dire qui type de job qui paye plus cob. Nous avons regardé un rapport, dernier rapport US News publié pour 2021 et top 50 jobs qui plus payé aux États-Unis. 10 premiers c'est dans le système de santé. Yes, 10 jobs qui plus payé aux États-Unis, c'est dans le healthcare system là que yo yé. C'est ça qu'il faut ouais. L'autre de monsieur Florida a toujours besoin d'un nurse. C'est pas pour sans raison, c'est parce que et nurse fait un pile d'argent ici et pas seul nurse, c'est tout le monde qui dans le domaine santé ici. Bamba nous top 10 jobs qui plus payé selon US News et combien cob yo fait n'a pour comment ça. Premier job qui est bien payé ici, c'est un anesthésiologiste. Salaire moyen d'un anesthésiologiste, selon US News, c'est 267 000 dollars américains. Je vais mettre ça en perspective pour nous comprendre plus bien. Parce que je connais, en pile dans nous, haïtiens, nous aimons minimiser l'argent. Récemment, j'ai entendu un rapport qui dit que l'État haïtien dépensait 1,5 million de dollars dans un projet bidon. Et moi, un commentaire un haïtien qui dit ça, 1,5 million de dollars. Moi en pile, monsieur, parce que parce que ou gen wawe moun ki di sak 1.5 million dollars, li pa même ap travay même, li pa leve ni lou ni leje. Ba mete 267 000 dollars américains par année en perspective pour nous. Yo an gen 12 mois, donc l'on prend 267 000 ou divisé par 12, li bay 22 250 dollars par mois. Et si m'da divise ça par 4, qui c'est à peu près combien de semaines qui gagne dans un mois, la baye 5560 chaque semaine, 5560, qui va à peu près 140 dollars américains par heure, si nous avons dit que moun sa travaille 40 heures par semaine. Donc c'est de en pile l'argent que n'a parlé là. Deuxième catégorie moun qui pi bien touché, toujours selon rapport ça que US News les publié, c'est un chirurgien. Salaire moyen un chirurgien, c'est à peu près 255 000 dollars par année. Troisième catégorie, c'est chirurgien oral et maxillofacial. Ça veut dire spécialiste qui traite malformation dans ma chouemoun. Donc, il fait même salaire moyen, c'est 242 370 dollars par année.
Quatrième catégorie, c'est obstétricien et gynécologue. Salaire moyen, c'est $238,320 par année. Et cinquièmement, c'est orthodontiste. Salaire moyen, c'est $225,760. Après ça, j'ai une psychiatre, pédiatre et puis dentiste. Si un dentiste, salaire moyen capable d'aller jusqu'à $176,000 ou bien $180,000 américains chaque année. Donc avec information ça, si que ou fait qu'à venir aux États-Unis sur résidence et ou gain vocation pour domaine médecine, ou belle petite fille ou belle petit garçon si ou choisi yon nan domaine ça yo. A noter que et salaire ça yo, j'aime te dire c'est salaire moyen, yo ka pi gros, kon sa yo ka pi piti et en pile nan profession ça yo, yo mande pour gain yon doctorat. Avec tout comme ça yo ka brasser dans secteur a, donc n'a d'accord avec l'agent ça yo pas tomber du ciel, OK? Et ça vient faire que système santé États-Unis li vraiment vraiment cher. C'est système de santé qui pi cher dans monde là. En moyenne, yon américain dépense à peu près $11,000 chaque année pour soins de santé. $11,000 américain chaque année pour soins de santé, c'est vraiment vraiment beaucoup. Pour mettre en perspective pour nous comment système nan cher, pour réparer un zo qui cassé, ça ka coûter jusqu'à $7,500 ou interner l'hôpital pendant 3 jours, donc on a $30,000 américain à l'aise. Et m'a de bon Dieu pardon si c'est une maladie tant que cancer que ou gagnez, on a des centaines de milliers de dollars. Kounya n'a d'accord avec l'aime dit nous, depuis n'a visité États-Unis en tant que touriste, pega nous quitter maladie pour nous, pega nous malade, pega nous faire façon pour dans l'hôpital. Faut préciser que l'aime dit américain dépense moyenne $11,000 par année pour soins de santé, tout comme ça yo c'est pas dans poche li directement que yo sorti. OK? Et assurance paye en pile là-dedans yo. Ou pas qu'à États-Unis pour pas gagner yon health insurance ou bien encore yon et assurance santé. L'état pas fait yon obligation pour gagner, li pas obligatoire, mais l'on regarde comment ça coûte ou sou pas gagner li, li vin presque yon obligation pour yon moun prend yon et assurance santé. D'ailleurs, yon moun ki pa gen assurance santé, IRS penalize ou nan tax refund nou, OK? Sou fè ane la ou pa gen yon assurance santé, donc tax refund nou, lò fil tax, la vin pi piti parce IRS pran yon pati nan kòb yo tab la parce que ou pa gen assurance. Isi gen deux gen kategori assurance, gen private insurance, gen public insurance. Private insurance qui c'est assurance privée ou capable gagner li ou capable gagner li par moyen employeur là, c'est-à-dire patron ou quand on travaille là, li capable faciliter pour gagner yon plan d'assurance santé ou bien tout ka acheter propre assurance par nan compagnie privée yo, y a pile gros compagnie et assurance santé ici, donc ou capable acheter propre assurance par si que ou pas veut prendre ça employeur là, li même li offre. Assurance santé publique yo j'en on dit c'est l'état qui fournit yo gain Medicare qui c'est un programme fédéral pour monde qui 65 ans et plus ou bien encore pour monde qui ont certains handicapés qui Medicaid qui c'est un programme l'état pour monde qui gain low income ça veut dire pour monde qui pas touché en pile cob qui pas rentré en pile l'argent et puis gain CHIP CHIP c'est Children Health Insurance Program qui offre assurance à bas prix ou bien assurance gratis pour tout monde. Et puis il y a des autres facteurs dans le système santé États-Unis encore pour nous et pour ça pas choquer parce que il est vraiment différent de système dans j'ai fait Haïti. Premièrement, et gain pile médicament ici ou pas acheter sans que ou pas gain prescription. Ça veut dire ou besoin yon et prescription dans main un docteur pour acheter quelques médicaments ou bien pile dans médicament yo ou besoin et yon prescription docteur pour acheter. Contrairement à Haïti, depuis yo fin bon prescription gè doit dans n'importe pharmacie que ou acheter ou bien encore et depuis l'idée dit que ou besoin médicament ou pas besoin yon note médecin pour acheter li aux États-Unis pas comme ça. Gen des ingrédients qui dans yon médicament et des drogues qui là-dedans, donc ou besoin yon prescription docteur pour gagner li. Et deuxièmement, c'est bill yo billou et so doué payé. Ça veut dire que et là l'hôpital là c'est pas dans même jour aller allonger l'argent bail ou dans caisse ou même quoi dans administration à payer même avec Haïti. Non, c'est après yo fin bill assurance ou et assurance là et payé parti par là et puis ça reste qui était à que doué payer là, yo voyer là mais lui voyer là caillou pour capable payer. Donc ou pas payer même côté.
nous toucher à faire une vidéo pour aujourd'hui, mais j'espère que l'information ça a été utile, mais j'espère que tu apprendre qui genre système de santé États-Unis a fonctionné. Il y a un pilote bail pour nous découvrir encore, mais système de santé a tellement compliqué, surtout question assurance là, et on va rentrer dans détail ça, il y a une politique qui mélange là-dedans, etc., etc. Mais pour le moment, on a une idée générale de comment système ça lui fonctionner. Si vous avez des informations et vous pouvez vous abonner, vous pouvez vous faire ça à Konya et activer la cloche là pour ne pas rater aucune notification de mettre une nouvelle vidéo dans la série ça qui est aux États-Unis et que vous avez fait pendant toute durée mois meilleur. Merci à pile et à bientôt pour une prochaine vidéo.